J'ai une formation classique, en fait j'ai commencé le piano assez tôt, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et puis je me suis très vite tourné vers le jazz, l'univers du jazz, du ragtime au blues, donc le jazz assez traditionnel, pour petit à petit me rendre compte que j'aimais autant l'un que l'autre et que j'aimerais me spécialiser, pourquoi pas, dans le classique en jazz. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a apparu, avec une fâcheuse tendance depuis que je suis tout petit à travailler des morceaux, mais à aussi bien les travailler entre guillemets en classique, enfin, de manière assez académique et rigoureuse, mais aussi de m'amuser à les transformer, ce qui donne des choses assez rigolotes. C'est vrai que ça se mélange plutôt bien, puisque je pense à Chopin notamment. Chopin avait été énormément travaillé dans le domaine aussi bien du jazz que la disco, pourquoi pas. On peut parler de Donna Summer avec un morceau qui s'appelle Could It Be Magic, un morceau disco qui est assez connu. Qui n'est autre qu'un prélude de Chopin, qui n'est autre que le prélude numéro 20 de Chopin en do mineur. C'est vraiment les mêmes harmonies. Mais dans tous les morceaux, on trouve une certaine cohérence. Alors parfois, c'est un petit peu malicieux. Je pense à une gymnopédie de Satie que je m'amusais à jouer parfois en concert avec le pied droit. Et gymnopédie, ça veut quand même dire gymnastique, pied nu. Donc il y a un petit clin d'œil. Je m'amuse aussi à travailler un morceau de Trenet, de Charles Trenet, qui s'appelle Il y a de la joie. Là, on est plus dans la variété, mais avec la main gauche et avec la main droite qui, pendant ce temps-là, balaye un petit peu le piano et fait le ménage. Et en fait, Charles Trenet avait composé ce morceau en faisant le ménage dans une caserne. En fait, il faisait son service militaire. Donc à chaque fois, il y a quand même une petite cohérence, une histoire assez rigolote. Mais même en partant le thème classique, c'est vrai qu'on trouve toujours quelque chose de cohérent dans la structuration même des arrangements que je propose. J'ai pas de prétention. En fait, moi, je m'amuse beaucoup. Donc, vraiment, l'idée. Et au principal, c'est vraiment de me faire plaisir, mais surtout de donner du plaisir, et ça, je trouve ça génial. Je trouve que je réussis vraiment à faire ça, et en même temps à faire ça en faisant quelque chose que j'aime beaucoup, mais surtout en faisant partager de la musique classique que j'adore, et surtout de la musique classique à des gens parfois qui trouvent spontanément qu'ils auraient tendance à dire que c'est ennuyeux. Et donc, je m'amuse beaucoup avec ce petit côté un peu pédagogique, parce que dans les concerts, j'explique quand même aux gens que Chopin n'est pas si éloigné que ça du ragtime, parce que si on transforme quelques phrasés rythmiques, on tombe très facilement dans le jazz en jouant du Chopin. Et donc il y a un petit côté pédagogique, mais aussi ludique évidemment, parce que Chopin en ragtime, quand même, c'est étonnant. Chopin en tango, Mozart en jazz, ça donne des choses très étonnantes.